Bonsoir. Donc, suite au précédent tutoriel où on a inséré des liens, des URL qui lancent chaque chanson, l'Amérique, Petit Pain au Chocolat, Champs-Élysées, cette fois-ci, depuis l'onglet développeur où je me trouve, on va insérer des boutons. Des boutons auxquels on affectera chaque chanson. Donc, développeur, la boîte d'outils contrôle dans l'onglet développeur, j'ai inséré, je déroule inséré. Et là, il m'affiche les contrôles disponibles à insérer. Je prends le premier en haut à gauche, petit bouton. Contrôle d'un formulaire. J'ai une petite croix de dessin. Je prends, je dessine, je place mon. Donc là, on va lui affecter une macro. En fait, on va lui enregistrer une macro. On va nommer l'Amérique. On commence par la première. Pas de caractères spéciaux. Ni de signes trop compliqués de ponctuation. On fait simple, on l'appelle l'Amérique. Enregistré dans ce classeur. OK. Voilà. Là, on est en enregistrement. On voit ici, hein, on a, puisqu'on a le bouton arrêter l'enregistrement, on l'a aussi en bas ici, là. Voilà. Donc, la macro, simplement démarrer l'Amérique. On clique sur le lien. On clique sur le lien. On voit que ça m'envoie sur le navigateur, on n'a même pas besoin, on peut le fermer tout de suite. On revient sur Excel et on arrête l'enregistrement. On peut voir d'ailleurs la macro, elle est là. L'Amérique, on peut prendre le pas à pas détaillé, voilà, range, ça a lancé la macro. Le débogueur. Donc là, maintenant, notre macro est faite. Le bouton, on va affecter la macro. On va affecter la macro, l'Amérique, à ce bouton-là. OK. Et puis, ben, il reste, par exemple, on peut le dimensionner. On va modifier le texte. On va l'appeler l'Amérique, tout simplement. Donc, voilà. Et puis après, donc, on la teste. Donc, puisque on l'a fait pour une chanson, après, on peut le faire pour le petit pain au chocolat et Champs-Élysées. Maintenant, eh ben, voilà. Pardon, je vais même fermer le navigateur complètement. Puisque, vous voyez, en bas de ma barre d'outils, j'ai que Zoom et Excel. Donc là, puisque j'avais le dernier lien sur la chanson, là, je clique Amérique et là, tout de suite, ça me lance le YouTube qui correspond à la chanson de Joe Dassin, l'Amérique. Voilà. Donc, il est facile de faire la même procédure pour toutes les chansons. Bonne soirée à vous.